Comment ça, Andrew Ok. Aïe, bizarre. Oh, nickel. Oh là là. Ah non. Donc je viens de finir la première descente du mode trick it. Donc là, le but, c'est de faire des figures. C'est ce que nous, on appelle du freestyle. Et les tricks, c'est des figures en anglais. Donc non, la prise en main est super bonne. Tous les grabs, toutes les figures, c'est des figures qui sont réelles. Après, on peut le nombre de rotations qu'on fait vont être un peu plus gros parce que les sauts sont plus gros. Il y a vraiment une sensation assez intéressante où on va ressentir des sensations réelles. Et voilà, il y a plein de sauts différents, donc on peut aller à droite, à gauche. C'est assez cool de pouvoir justement faire preuve un peu de... Enfin, faire jouer son imagination, sa créativité, de se dire, d'anticiper un peu les mouvements de terrain, de se dire, là, on va pouvoir sauter, et sans trop savoir des fois ce qu'il y a derrière, on se retrouve avec une réception qui est plus proche que ce qu'on imagine, donc là, on va tomber, ou alors le saut est encore plus gros, donc on peut continuer la figure. Et non, c'est super intéressant. En fait, moi, j'essaie d'avoir un panel de figures le plus large possible. J'essaie de m'entraîner un petit peu à tout. Et là, c'est un peu le but aussi, c'est d'essayer de changer de figure. J'ai vu qu'à un moment donné, il y a un petit truc en rouge qui apparaît quand tu refais la même figure. Et je pense qu'elle est moins bien notée. Et c'est ce qui se passe en réalité aussi. C'est quand on refait la même figure dans un slopestyle ou dans un pipe, la figure va être moins bien notée forcément parce qu'on vient de la faire. Et ça, c'est cool de le retrouver dans le jeu parce que voilà, ça pousse à faire des figures différentes à chaque fois. L'évolution de notre sport évolue tellement vite, on est passé de 720, maintenant on fait des 1260 et tout. Et ouais, il y a des figures, c'est clair qu'il y a des doubles corques ou des triples corques que je ne sais pas encore faire et que j'aimerais bien pouvoir faire bientôt sur la neige. Ouais.